Ils sont 12 à avoir exposé leurs différentes œuvres, bandes dessinées et caricatures à l'Institut français. Jeunes et vieux, ils sont tous des produits de l'association Bénin Dessin. Hector Sonon, président de cette association, expose l'objectif de cette exposition. Bénin Dessin, c'est une association qui existe il y a très longtemps, donc vous devez constater qu'il y a des jeunes qui sont avec nous aujourd'hui. Il y a des vieux dans le groupe, donc les vieux qui sont en train de nous entraîner les jeunes dans cette aventure. Nous avons exposé et la bande dessinée et les dessins de presse et la caricature. Pourquoi? Parce que la plupart des auteurs que vous avez ici, qui ont exposé ici, ont commencé leur formation dans la presse. Parce que c'est des autodidactes. Comme il n'y avait pas une école où on peut former les gens, tous ceux qui sont ici aujourd'hui, à part les quelques jeunes, la plupart, en tout cas les gens de ma génération, on a commencé notre formation dans des rédactions. Donc, petit à petit, on est passé du dessin de presse à la bande dessinée. Et certains sont restés toujours caricaturistes, dessinateurs de presse, d'autres font les deux. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a plus cette opportunité pour les jeunes, et parce que beaucoup de journaux ont disparu. Ce qui nous permettait, nous autres, tous les jours, de dessiner, d'aller dessiner dans la presse pour avoir la main. Et malheureusement, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc nous avons intégré les dessins de presse à cette exposition pour raconter l'histoire, pour que ceux qui ne connaissent pas d'où est-ce que ces dessinateurs que vous voyez ici ce soir, ceux qui ne connaissent pas leur histoire, puissent connaître leur histoire et savoir d'où est-ce qu'ils ont commencé. Parce qu'au début, ils n'étaient pas des auteurs de bandes dessinées, ils étaient tous des caricaturistes politiques dans la presse. Et l'objectif aussi, c'est de présenter les travaux des jeunes qui ont intégré l'association depuis quelques années. C'est de présenter leurs travaux et à côté des travaux des anciens. Même s'ils ont d'autres activités à part le dessin, ces artistes rencontrés tirent leur source d'inspiration de leur quotidien. De base, j'ai commencé avec le dessin de presse. Après, j'ai fait de l'illustration. Et là, la plupart des illustrations que vous avez là, ça parle de différentes thématiques. Et par exemple, ça qui est lié à la fête de Vaudou, et où je montre un peu quelles sont quelques divinités du Vaudou, comment ça se passe lors de la fête, la danse et tout. Ça, c'est l'une des illustrations qui est liée à la fête des mères. Moi, ma manière de voir la fête des mères, il y a des gens qui ont encore leur maman qui sont vivantes. Et moi, je suis parti sur le concept où il y a d'autres personnes où les mamans sont déjà mortes. Donc, ce qui serait intéressant, c'est aussi de rendre hommage à ces gens de personnes. Et moi, je suis beaucoup orienté dans tout ce qui est béninois et nos quotidiens, comment tout se passe dans la société. Et tout. Donc, voilà un peu, c'est de ça par là, la plupart de mes dessins. En fait. Le dessin, c'est une passion chez nous. Parce que dans ma famille, tout le monde dessine. Arrêter même le dessin, c'est un monde, c'est un univers en fait. Donc moi-même, j'ai décidé de prendre une partie de ça, quoi. Et d'associer au droit, même si je fais autre chose à part le dessin, je ne peux jamais tourner dos à cette passion qui demeure chez nous, quoi. Pour que je sois plus inspiré, je lis beaucoup aussi. Donc des fois, je m'inspire des enfants qui s'amusent. Bon, par exemple, tu vois, deux enfants sur une cour en train de s'amuser. T'es tout du genre, en fait. T'es tout qui révèle vraiment la vie actuelle. Amis, frères ou compagnes, ils sont venus voir les œuvres exposées. Il y a beaucoup de trucs qui sont exposés. Donc, je n'ai pas encore eu le temps de tout lire. Mais à travers ce que j'ai lu déjà, j'ai lu pour mon ami en premier, parce que c'est pour lui que je suis venue. Et à travers son exposition, il est en train de véhiculer le message qu'il faut être poli envers ses parents, envers quiconque. Malgré tout ce que tu as à faire, il faut nécessairement faire d'abord ce qu'on t'a commandé. Tout ce que tu as à faire passe en second plan. Il y a plusieurs styles de dessin. Moi, ça m'a épaté, ça m'a beaucoup plu. C'est vraiment, s'il y a ça au Bénin, ben, on attend quoi? Tout le monde dessine. À noter que cette exposition s'inscrit dans le cadre du Festival international de bande dessinée du Bénin, qui durera 3 jours à compter du 8 février 2024.